Cities were once known for producing vast amounts of things. Food, vehicles, clothing, furniture, machines, medicine. But in the 20th century, making radically changed in the Western Europe. Factory closed, industrial land was redeveloped, replaced by houses and parks, physical work turned into desk jobs. The middle class repopulated city centers, and retail moved online. Manufacturing and cities have moved further and further apart, both in body and spirit, leading to a cycle of decline. As manufacturing jobs have gone, remaining city-oriented businesses have lost suppliers. Training colleges have closed. Skilled workers have become fewer and more expensive. Entry-level physical jobs have become less accessible, while new products are tested and produced abroad. Few people nowadays know where things are being produced, let alone what is being made close to home. However, some 21st century trends are showing a renewed interest in making. Technology companies are selling the rise of smart cities. Industry is foreseeing a fourth revolution. Politicians are boosting and reassuring production and jobs. Businesses are hailing the circular economy. And environmental organizations are calling for greater levels of urban resilience. Manufacturing in cities may have been swept aside and forgotten, but these trends are suggesting that it could be put back on the agenda. J'ai créé en plus la société BIG, Building Integrated Greenhouse, en 2015, avec l'aide de financiers pour développer des fermes urbaines aquaponiques à grande échelle et si possible au niveau international un jour. J'ai analysé un petit peu ce qui se faisait ailleurs, hein, les Bright Farms, Lufa Farms, etc., aux États-Unis, Canada, pour me rendre compte que la plupart des systèmes mis en place n'avait pas une rentabilité propre ou très difficile à justifier. Notamment tout ce qui est potager extérieur en toiture, comme vous avez derrière ici, on en a 2000 m2, cette partie-là n'est pas rentable en soi. Et donc, je suis retourné vers le ministère de l'Environnement en disant, enfin, une fois qu'ils ont eu le rapport, ils ont dit c'est super intéressant, comment est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai demandé s'ils avaient de l'argent et bien sûr, la réponse était non. Ils ont dit qui pourrait faire. Donc mon but à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ben, je vais voir en tant que consultant et architecte, voir si je peux réunir des gens qui savent faire. Donc j'ai été chercher Urban Farmers et puis j'ai finalement trouvé ECF à Berlin avec qui on travaille maintenant. Et simplement dans l'idée de proposer ces solutions un peu comme un package pour des promoteurs, des propriétaires terriens, enfin des propriétaires de bâtiments plutôt. J'ai été trouver ce qu'on appelle les Family Fools and Friends pour investir au début, et j'ai trouvé pas la famille mais des fools et des friends qui ont bien voulu mettre la main à la poche pour démarrer quelque chose et qui ont pris des parts. Et là on a créé BIG en 2015, une véritable société en visant le potentiel de grandir assez vite. Les premiers financiers étaient des privés qui ont chacun mis 100-200 000 euros. Derrière ça, on a eu des sociétés qui sont dans l'immobilier, développement immobilier vert, hein, tout ce qui est environnemental. C'est un quartier en devenir et tout le site ici doit être redéveloppé avec plus de mixité, des codes d'étudiants, enfin toutes sortes de nouveaux logements, etc. Il y a pas mal de chantiers aux alentours, le long du canal. C'est une zone prioritaire.
Et donc je me suis dit qu'on aurait de l'aide. Je l'attends toujours, l'aide financière. On a eu un investissement par contre, pour être correct, de la SRIB, Société Régionale d'Investissement Bruxelloise. Mais c'est un investissement, c'est pas une subvention, donc ils ont des parts dans la société. Ce que j'apprécie énormément parce que je crois que c'est important que ça se passe aussi au niveau régional. On a eu une promesse du ministre Didier Gozouin qui, en toute honnêteté et amitié, a dit « mais moi, je préfère investir des subventions dans un projet comme ça que dans un hôtel ou un truc comme ça ». Et il a dit « je peux vous obtenir deux fois une subvention de 350 000 euros pour deux parties du projet, etc. ». Mais dès que c'est arrivé dans l'administration, ils ont dit « stop, vous pouvez avoir les subventions, mais vous ne pouvez pas vendre les produits », ce qui évidemment n'est pas très rentable. Et donc, c'était des subventions pour l'aide à l'agriculture, mais au développement de l'agriculture, mais ça ne pouvait pas être une subvention à une exploitation agricole. Et en Flandre, ce n'est pas la même chose, parce qu'il y a déjà de l'agriculture en Flandre et en Wallonie aussi. À Bruxelles, il n'y a pas d'agriculture, et donc, et les ministres de l'Environnement et environnement et emploi ont poussé énormément l'agriculture urbaine, mais sans se poser la question d'où ils pouvaient chercher des subventions. Et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas là. On a plusieurs petites subventions, oui, pour payer les frais d'avocat, de montage de la société, etc. Mais comme n'importe quelle société, donc c'est pas parce qu'on est une ferme urbaine. Mais sinon, subventions pour faire un projet de cette envergure-ci, non, c'est entièrement privé et les banques. Maître Huss fait des enseignes et présent dans la communication visuelle, c'est-à-dire tout ce qui est enseigne proprement dite, signalisation, signalétique. Totem avec une production complètement intégrée et une filière complète, puisqu'on crée des logos, on développe les logos, on fait nos propres calculs, on fabrique et on fait la pose. Donc on a vraiment l'ensemble de la filière de ce qu'on appelle la communication visuelle. Fabriquer une enseigne, à peu près tout le monde sait le faire au niveau des enseignistes. Maintenant, tout ce qui va à côté est très important, c'est respecter ses délais, respecter son prix, déjà, on commence par là. Faire quelque chose de qualité, assister son client s'il le faut au niveau des communes, parce qu'on a besoin de permis, assister son client par rapport à des réunions qu'il pourrait avoir avec le voisinage, des choses comme ça, par rapport ou avec le zoning ou par rapport à une construction. Donc c'est toute une série de services que l'on met auprès de nos clients, des dépannages rapides, un contrat d'entretien. Et donc il y a l'enseigne, mais il y a beaucoup de choses tout autour. Et on a vraiment, depuis des années, travaillé ce point-là. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute et on n'est pas client-fournisseur, on est partenaire. Et donc tous nos clients, ou du moins la plupart de nos clients, et même je parle de grands réseaux, sont avec nous depuis des années parce qu'on est leur partenaire et qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur image. Les clients qu'on dit one shot et les clients réseau. Les clients one shot, ce sont des gens assez locaux, puisque c'est la boulangerie du coin, c'est un petit magasin qui ouvre pas très loin d'ici. Ça, c'est un one shot, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une enseigne une fois, ils viennent chez nous, on la dessine, on l'étudie, on la fabrique, on la pose. Une fois, c'est fini. C'est sûr qu'un boulanger qui habite EY ne va peut-être pas commander son enseigne chez Petrus à Bruxelles. Il y a d'autres enseignes qui sont dans le coin. Donc ça, c'est une catégorie de clients où on a un intérêt par rapport à la localité. L'autre catégorie de clients, c'est ce qu'on appelle le client dit série. Et ça, ce sont les grandes marques du retail, principalement, que ce soit la grande distribution, que ce soit les banques, que ce soit le retail, le vêtement classique, hein, fashion, que ce soit le secteur automobile. Ces gens-là, évidemment, ne sont pas locaux. Ils ont un design bien précis, d'ailleurs, souvent qu'on ne dessine pas. Mais on suit un cahier de charge, fabrique ce que la maison mère à étudier, on le fabrique et on le pose. Et là, qu'on soit basé ici à Bruxelles ou qu'on soit à EY ou qu'on soit à Knokke, ça ne change pas grand-chose puisque de toute façon, ces clients-là ont des magasins partout en Belgique et même à l'étranger et on doit quand même aller poser chaque fois dans ces différents sites. Il y a une grande différence entre ces deux clients-là. On était plutôt sur du 60-40, 60 one-shot 40 réseaux et on est en train d'inverser pour des raisons économiques la tendance, et maintenant on est plutôt 70% réseau, 30% one shot. Il y a plus de local dans le one shot que dans la série.
La Syrie, on ne parle même pas de local, parce qu'à moins que le siège de la société soit ici à côté, mais ce n'est pas ça qui compte. Donc le local, il n'est que dans le one-shot. Maintenant, 100% du one-shot n'est pas que du local. Donc c'est-à-dire que le local, il se réduit à peau de chagrin. Hein. Et les sociétés qui peuvent être locales et rester dans le local. Avec l'importance du groupe Petrus, il y a quand même 120 personnes qui travaillent. On ne peut pas se permettre d'aller prospecter dans les 10 rues aux environs ici. On ne tiendrait pas 2 mois. Donc on est obligé d'avoir des contrats nationaux et même internationaux pour pouvoir faire tourner la société et les 120 personnes qui en découlent. On a un accord avec Carrefour Produits Locaux. C'est eux qui sont venus nous chercher en disant ben, « Nous, on lance un concept de produits locaux, mais on n'a pas suffisamment de produits locaux, et surtout pas en hiver. » Il y a peu de producteurs locaux, peu de producteurs bio, etc. Et le bio n'est pas l'essentiel, c'est d'être local, transparent et de qualité. Et donc Carrefour vend beaucoup de nos produits, c'est notre client principal. La définition chez Carrefour de produits locaux, c'est 40 km de rayon. Et produits régionaux, c'est 80, c'est à peu près la Belgique, à peu de choses près. On laisse peut-être tomber Arlon et la côte. Si on veut chercher du bar rayé, il n'y en a pas à la rigueur en Italie. Et si on veut chercher du bar d'élevage, c'est la Grèce, la Turquie et le Maroc. Donc ça vient de plusieurs milliers de kilomètres. Et surtout, ce sont des produits qui ont déjà plusieurs jours quand ils arrivent, même pas dans l'assiette, quand ils arrivent sur le marché ici, et puis dans l'assiette, on rajoute encore 2-3 jours. Et nous, évidemment, c'est une question d'heures. Donc on fait une énorme différence. Donc pour moi, à partir du moment où la logistique est bien organisée et que ce n'est pas un camion ou une camionnette qui va à Liège avec juste nos poissons, mais que c'est combiné avec d'autres choses, par exemple avec des herbes, avec d'autres choses, avec des champignons de Bruxelles. On essaie de regrouper plusieurs produits locaux pour que dans un sens et dans l'autre, on utilise la logistique pour des raisons de coût d'abord, très franchement, et puis aussi pour des questions d'éthique par rapport à l'empreinte carbone. Il y a peut-être des gens qui ne voudront plus travailler avec nous parce qu'on est dans un grand groupe. Alors, ce n'est pas total non plus. Hein. Donc, il y a eu ça avec l'énergie renouvelable, puis tout à coup, les gens ont investi pour avoir une petite société locale, et puis tout à coup, ça part dans une entreprise pétrolière. Il y a ça avec Greenflex en France, qui est un très très gros bureau travail dans l'environnement. Ils ont été rachetés par Total, ils sont devenus 1000 personnes et ils sont gigantesques. Ils font des choses très très bien. Mais n'empêche que ça fait partie du groupe Total. Donc là ça sent un peu le greenwashing. On sera sans doute critiqué. De toute façon, si on fait quelque chose de nouveau, de toute façon, on est toujours critiqué. Et je serai encore plus critiqué si on se casse la gueule parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour l'amener à une échelle nécessaire. Il faut des visites payantes pour payer au moins les personnes qui font le guide, etc. Parce que c'est souvent des heures en plus. Et on fait des événements aussi, on fait des dégustations. Alors pour nous, c'est un double avantage, c'est faire connaître le produit et puis aussi faire passer le message. Notre produit est intéressant quand le message va avec le produit. Si vous mettez notre poisson dans un magasin et qu'il est juste marqué bar rayé, sans dire qu'il est local, sans dire qu'il vient d'aquaponie, etc. Quand on l'appelle bar de Bruxelles, déjà ça interpelle un peu plus. Mais aussi on a des petits leaflets, on a des roll-ups qu'on met dans les magasins, etc. pour que les gens comprennent. Et à un moment on s'est dit, bon, il faut qu'on rentabilise d'autres choses, le temps que les poissons arrivent, etc., il faut qu'on avance. Mais surtout on avait énormément de demandes. Dès qu'on est paru dans la presse, même avant qu'on soit en construction, il y avait la Commission européenne qui voulait venir visiter. On a dit, on attend. Il y a beaucoup de sociétés aussi qui sont dans la construction, parce que bon, moi je suis fort lié évidemment architecture, etc., construction. Pas mal d'universités qui nous demandent des visites et tout ça aussi, des écoles. Et donc on a des tarifs un peu en fonction de ceux qui peuvent ou qui ne peuvent pas payer. Clairement, quand IKEA vient, on ne fait pas une fortune, mais enfin, ça vaut bien quelques milliers de pots de plantes vendus. Quoi. Et tous les partis politiques avant les élections d'octobre, ils sont tous venus, sauf Écolo. Je le dis et je le redis. Je pense qu'Écolo considère que comme on est une entreprise qui est commerciale, c'est pas la vraie écologie. Et c'est pour moi l'aberration totale, parce que si on ne peut pas faire du business avec l'écologie, alors je ne sais pas comment on va faire l'écologie à grande échelle. Et encore, je n'ai pas encore prouvé que c'était rentable, donc on va voir. On croule sous les taxes.
Par exemple, il y a une taxe que l'on a qui m'horripile. C'est une taxe, on a une taxe sur l'occupation de la voirie. Si vous êtes dans un zoning en Wallonie, je crois que c'est une taxe qui n'existe pas. Quand un semi-remorque arrive ici, il prend la route, notre route privée pour aller au bout de notre atelier, il sait faire son demi-tour avec son semi-remorque, on a des clercs qui sont là, qui déchargent, etc. Donc on n'utilise pas la voirie. Alors c'est vrai que parfois il y a un livreur express, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, même s'il y a une place restée en double fil, ça va plus vite. Mais moi je dis à la commune, à partir du moment où j'ai 4 ou 5 parkings avec des zones bien délimitées pour l'ensemble de nos activités, pourquoi est-ce que je dois payer une taxe de 10 000 euros, parce que c'est quand même un montant important, pour occupation de la voirie alors que je ne l'occupe pas? Et la réponse est, et c'est classique à Bruxelles, parce que j'ai fait avec toutes les taxes que j'ai essayées, on me répond toujours, vous avez un atelier de plus de 250 mètres carrés, donc la taxe est obligatoire et elle est calculée par rapport au nombre de mètres carrés. On a 10 000 mètres carrés et donc j'ai plus ou moins 10 000 euros de taxes. Après, je sais que Bruxelles est quand même assez cher. On a des taxes sur l'occupation de la voirie, je viens de le dire. On a des taxes sur les mètres carrés d'atelier. C'est variable par rapport à la localisation. Taxes sur la superficie de bureau, occupée ou non occupée, ça ne change rien. On a des taxes sur le fait d'avoir des machines dans l'atelier, donc c'est les forces motrices. On a des taxes, là je viens d'en recevoir une de 7 ou 8 000 euros sur les appareils classe 1 et classe 2. Je ne sais même pas ce que c'est. J'ai de nouveau téléphoné à la commune et toujours la même chose. Vous avez un atelier de plus de 250 mètres carrés, la taxe est obligatoire et elle est proportionnelle au nombre de mètres carrés. Donc à chaque fois c'est la même réponse. Et donc quand vous additionnez toutes ces taxes-là, bah, il faut déjà commencer à en vendre des enseignes pour pouvoir gagner un euro. L'été passé, et ça risque d'avoir ce qui est en train d'arriver comme beau temps maintenant, risque de recommencer cette année-ci. On a eu plus de 4 mois de sécheresse sans une goutte d'eau, ou quasiment. Et ben heureusement, on a un forage, et on filtre l'eau. Et ben la preuve est faite que toute la ferme qui est ici, c'est-à-dire la pisciculture, les tomates, les herbes et tous les jardins extérieurs, ont fonctionné avec moins de 20 mètres cubes d'eau par jour. Il faut savoir que c'est plusieurs centaines de fois moins que l'équivalent en production en poissons, en tomates, etc. On a quand même au moins 60% autonome en énergie, c'est-à-dire l'énergie qui était normalement jetée, la chaleur qui vient des frigos, etc., qu'elle est en tour de refroidissement qu'on récupère, ce qui justifie le fait que ben, je fais des tomates plus tard que les autres, etc., parce que ça me coûte moins cher en énergie. L'aquaponie et l'économie circulaire sont deux choses. Enfin, l'économie circulaire, je me bats depuis très longtemps. L'aquaponie, ça fait il y a 4 ans quand j'en parlais, les gens disaient c'est quoi. Aujourd'hui, on en parle partout. Hein. Alors, c'est pour ça que j'ai gagné un prix de pionnier machin, mais simplement parce que j'ai toujours rassemblé un peu ces idées de partout. Et je crois simplement parce que ces idées-là sont des choses qui sont pérennes. Il y en a besoin, c'est pas une mode. Il y a besoin de produire localement, il y a besoin de vendre localement, il y a besoin d'arrêter d'importer tout et n'importe quand. Moi, j'aurais aucun problème, par exemple, je ne suis pas un jusqu'au boutiste, à faire des fraises ici en hiver, façon de parler, mais en tout cas beaucoup plus tard dans la saison, à partir du moment où j'utilise de l'énergie qui est récupérée. On va quand même ramener des fraises d'Israël en hiver et maintenant dans des fraises dégueulasses qui viennent du sud de l'Espagne, qui ne sont pas bonnes, et qui ont voyagé X milliers de kilomètres en avion, etc. Alors que si on peut les produire localement, avec un système intégré de récupération d'énergie, d'eau, de CO2, etc., ben why not? On fonctionne en lutte intégrée, donc on pollinise avec des bourdons, on travaille avec des acariens, etc., pour éviter des maladies, enfin des maladies, des envahisseurs, on va dire. On en a eu un l'année passée, l'acarien, qui n'avait rien à faire en Belgique, qui venait apparemment du fait qu'il y a un marché autour avec des produits qui viennent d'on ne sait pas où. Donc là, on a dû faire un traitement au soufre, ce qui se fait en bio aussi, hein, mais bon, voilà. Et avec des acariens derrière pour éliminer tout ça. C'est du vivant, donc c'est vraiment très très sensible. Nous sommes dans une double ASBL. CF2M fait de l'insertion professionnelle, donc de demandeurs d'emploi. Et CF2D, c'est la partie économie sociale. Les gens qui travaillent ici sont des gens sous contrat de travail dans le cadre de l'économie sociale. En volume, ça représente, ça dépend des années, mais je dirais entre 150 et 200 tonnes. Contrairement à des industriels qui broient, ici tout est démonté, tout est dévissé, tout est mis dans des bacs. Donc c'est 200 tonnes. Ils sont vraiment traités intégralement. Il y a une partie qui va partir
en réutilisation. Donc on va remettre sur le marché. Il y a deux filières. Il y a une filière tout venant, vais-je dire. Donc ça veut dire des ordinateurs que vous voyez ici, des portables, des choses comme ça, des téléphones, des choses comme ça. Et puis il y a une filière plus professionnelle que j'ai un collègue qui gère. Et là, c'est plutôt le matériel réseau qu'on met en état, donc des serveurs. Tout ce qui n'est pas, qui n'a pas une durée de vie suffisante, donc nous on calcule qu'il faut au moins que la durée de vie soit 3 à 4 ans, est démantelé, même si ça fonctionne. Ça, c'est pour éviter les problèmes, parce qu'en fait, on a eu une période où on avait des gens qui venaient nous racheter des vieux coucous, vraiment, mais qui tournaient encore, et qui les exportaient. Or, comme on a travaillé sur le Sud, et on a fait des études sur le Sud, sur les déchets au Sud, on se rend bien compte que ces vieux coucous vont fonctionner quelques mois et vont terminer à la décharge. Mais donc on veut éviter en fait que des objets qui n'aient pas une vie suffisante partent trop vite dans les systèmes de décharge au Sud en plus. Le démantèlement, c'est un processus de préconcentration, donc c'est-à-dire de démontage complet, qui peut encore servir lui-même à alimenter des choses. Vous disiez qu'on faisait des imprimantes 3D, donc on peut récupérer des pièces, ou le projet avec l'ERG pour alimenter avec des pièces très spécifiques d'autres projets. On peut aussi, bien sûr, faire utiliser pour de la réparation, si c'est nécessaire, donc récupérer des dalles, récupérer des disques durs, etc., de la mémoire, de la RAM. Et tout ce qui n'est pas dans ces filières-là va, à ce moment-là, dans des bacs et est vendu à des industriels préconcentrés. Donc on vend plus cher, bien sûr, ce qui est préconcentré que ce qui est en vrac. Les industriels, en fait, ne sont pas intéressés par tout. Contrairement à ce qu'ils disent, il ne faut pas croire quand les industriels disent qu'ils récupèrent tout. C'est de la blague. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait un industriel ? Un industriel, il broie, essentiellement. Donc il n'émonte rien. Pourquoi ? Parce que ça lui coûte cher de démonter, et parce que quand il a une grande broyeuse avec des systèmes de sélection des matières, il met un type et il traite des centaines de tonnes sans aucun souci. Donc l'intérêt de l'économie sociale, c'est de pouvoir faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire, parce que nous on a une main d'œuvre abondante, on ne va pas les remplacer par des machines, et qu'on peut faire des opérations qu'eux ne peuvent pas faire facilement. Donc moi, je pense que l'économie sociale se justifie tout à fait sur certains créneaux, là où la rentabilité et où le coût moyen des matières reste encore très faible. Je ne dis pas qu'il ne va pas augmenter, hein. Je pense par exemple au plastique. Première fois qu'on a montré nos produits chez Carrefour, « Ouais, bande de connards, vous vendez aussi du plastique. » Ben oui, chez Carrefour, je ne peux pas vendre autrement qu'emballé dans du plastique pour le moment. Et le problème, il est mondial, de l'emballage de plastique, vous le savez aujourd'hui, on essaie d'éliminer ça. J'ai regardé Colruyt, j'ai regardé Carrefour, j'étais discuté avec eux, avec Auchan en France, avec Leclerc, etc. Il n'y a aucun qui a la solution maintenant, ce n'est pas moi qui vais la trouver. Mais par contre, quand vous avez un produit de qualité, vous êtes obligé de l'emballer pour le protéger des produits qui ne le sont pas, même si on n'est pas bio. Puis quand vous avez des herbes en pot, vous pouvez difficilement l'avoir juste dans son pot. Et puis même les plastiques aujourd'hui qui sont recyclables ne sont pas recyclés parce qu'il n'y en a pas assez pour faire le tri. Donc la solution, elle n'est pas chez nous. Je me bats pour, et on regarde ça parce que je m'occupe d'économie circulaire et de cradle to cradle. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on est venu nous dire ça à nous, alors que toutes les autres entreprises le font ? Ah, vous voyez, vous êtes des connards, vous faites comme les autres. Ben, non, on fait mieux, mais on n'a pas tout résolu. Dans le cadre du projet avec l'ULB, on devait avoir un concasseur qui n'est pas un broyeur. Grande différence entre concasseur et broyeur, c'est que le broyeur broie tout, donc vous n'avez plus que des petits déchets. Le concasseur, donc vous imaginez un casse-noisette ou un casse-noix, il croque l'extérieur, mais il vous laisse la noix plus ou moins entière à l'intérieur. C'est le même principe, c'est une machine qui tourne, qui envoie les objets contre une paroi et les éclate en réalité. Il laisse les bobinages et toutes ces choses en partie entières. Et donc à partir du moment où on peut récupérer les objets, on peut les commencer à les sélectionner. Donc il faut savoir que les objets tels que ceux-ci sont quasiment tous maintenant clipsés ou collés parfois même, et deviennent impossibles à dévisser. Dans les PC, tout ça, dans l'IT, c'est encore facile, parce qu'il y a encore et encore, parce que je ne vais pas parler de Apple, parce que Apple a fait exactement le contraire de ce que fait tout le monde, donc Apple rend impossible quasiment la récupération de matière.
la valeur relative du petit électroménager, d'une cafetière, de n'importe quoi, elle est faible. Il n'y a pas grand-chose dedans. Mais si en plus, il faut la démonter et que ça prend des plombes pour la démonter, on perd complètement tout l'intérêt de le faire. Mais ça demande des investissements importants, comme vous parlez de la concasseuse. Elle coûtait dans les 100 000 euros. Et bah oui, c'est des trucs industriels, ce qui pour un industriel n'est pas énorme. Et alors la région nous a dit à l'époque, bah oui, mais c'est un peu cher pour une seule association. Mais c'était en fait pour faire l'expérimentation. C'était en plus, est-ce que la concasseuse se justifie, je veux dire, à long terme? Probablement, mais on ne peut pas le dire aujourd'hui. Nous demander des ratios de rentabilité, tant qu'on ne les a pas expérimentés, on ne peut pas le dire. Donc on tournait en rond, puisqu'on devait prouver qu'elle était rentable, alors qu'en fait on n'avait pas expérimenté le procédé. Et comme personne ne fait ça, on n'avait même pas on pouvait pas aller chercher dans la littérature des choses qui ressemblaient. Et les gens qui fabriquent ces machines, c'est un centre de recherche du côté du Hainaut, bah, eux ils disaient, bah, on n'a pas fabriqué encore des petites machines comme ça, on a des grosses, mais on n'a pas les petites. Pour eux c'était un jouet. Et donc voilà, c'est des questions qui sont un peu les cul-de-sac. Il faut savoir qu'en termes de boulangerie, on est des tout petits par rapport à des acteurs industriels énormes comme la Lorraine, comme Quebecrise, là-bas. Bon, on a un chiffre d'affaires globalement qui avoisine les 6 millions. Je crois que la Lorraine fait 2,4 millions maintenant. Donc, 2 milliards 4. Ouais, 2 milliards 4. Vous donner un peu un ordre de grandeur. Mais bon, c'est une façon totalement différente de concevoir l'industrie, qui est très noble, très légitime, et dont le monde a besoin aussi. Mais voilà, on n'est pas dans le même univers. Par contre, par rapport à des petites boulangeries ou des boulangeries moyennes, on est déjà avec un certain volume. Notre avantage par rapport à des gros groupes industriels comme la Lorraine, c'est qu'on est probablement plus flexible. On a essayé de conserver vraiment une part d'artisanat dans notre production. On a des capacités de production importantes qui nous permettent de travailler avec la grande distribution. On a une flexibilité qui est peut-être plus grande que celle de très gros groupes. Et on essaye de rester des acteurs où l'artisanat a quand même encore une grande part. On a mécanisé, on a automatisé une grosse partie de notre atelier. Le schéma qui était vraiment le fil directeur, tant pour la rue Birmingham que pour ici, a été d'automatiser, de mécaniser tout ce qui était des choses qui cassaient le dos des ouvriers, qui étaient durs physiquement et qui n'apportaient aucune plus-value qualitative au produit. Il y a des étapes comme l'assemblage des farines et le mélange des farines et le pétrissage des farines. C'est mieux d'avoir une structure automatisée qui va peser l'ensemble des choses et travailler sur des silos extérieurs qui vont amener les farines en vrac que d'avoir des gars qui doivent aller chercher des sacs de 50 kg, les ouvrir, en renverser une partie, donc la quantité peut-être pas toujours la bonne non plus, pour devoir reprendre la pâte dans un pétrin pour la transvaser manuellement. Avoir un élévateur qui va la basculer, on ne va rien perdre au côté qualitatif du produit. Au contraire, on va être certain d'avoir des recettes qui sont tout à fait calées. Par contre, en sortie de façonnage et de machine, tous les pains sont repris manuellement pour les resserrer un peu plus, un peu moins, selon la température, selon l'humidité, selon le type de pâte. Voilà, tout ce qui est découpe des pains va se faire à la main aussi. On peut travailler sur des pousse lente, on laisse des produits qu'on fabrique jour A et qu'on laisse toute la nuit en frigo où les arômes vont se développer, où on va avoir un produit qui va prendre sa qualité pour être cuit au final, cuit sur pierre et pas sur un four tunnel. Tout ça sont des choses qui qualitativement vont donner de la valeur ajoutée au produit et de la valeur qualitative, une qualité supérieure au produit. La grande industrie ne peut pas se permettre de bloquer des produits pendant 10 heures dans un frigo, ils ont besoin d'avoir un flux. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un four à sol dans lequel les produits doivent être déposés, puis repris et ressortis. Ils travaillent sur des fours tunnels, mais ça donne un résultat différent. On a gardé les étapes manuelles là où elles apportent une qualité au produit.
Aujourd'hui, c'est plutôt les finances qu'on cherche. Ce sont des financiers qui ne sont pas dans la construction et dans l'immobilier, parce que ça, on a assez de connaissances là, mais plutôt soit dans l'alimentaire, soit dans les, ce qu'on appelle en anglais les amenities, enfin tout ce qui est l'eau, l'énergie, les déchets, enfin ce genre de choses. Et on a eu certainement 4 ou 5 grands groupes français, hollandais, surtout les français, c'est souvent le cas en Belgique, qui sont venus nous voir, qui étaient soit dans l'eau, soit dans l'énergie, soit dans les deux, soit dans le traitement des déchets, etc. Parce qu'on a, ceci est une première mondiale, donc ils l'ont entendu, ils ont vu qu'on avait quelques années d'avance, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que les autres arrivent derrière, mais en tout cas on l'a fait. On l'a fait et on est les seuls à l'avoir fait à cette échelle-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui intéresse ces grands groupes. Donc j'ai pas trop d'inquiétude maintenant, si on tient le coup maintenant de pouvoir grandir derrière. Vous pouvez dire le nom de ces grands groupes? Non, je préfère pas. On recrute des gens déjà par département, c'est-à-dire qu'on va chercher un soudeur. Si on cherche un soudeur, on ne va pas prendre un électricien. On va prendre un soudeur. Par contre, on va lui apprendre le métier. Je crois que dans aucune école, on va apprendre à faire de l'enseigne. On va apprendre à souder. Maintenant, nous, on lui fait une formation type par rapport à l'enseigne. Parce que ce n'est pas la même soudure que sur une voiture automobile. Ce n'est pas la même soudure que pour un chantier métallique. C'est spécifique à l'enseigne. Donc là, il y a une formation sur place. Les autres formations qui sont plus poussées, qui sont les VCA, les permis de conduire, des grands véhicules, etc. C'est rare qu'on ait quelqu'un qui se présente et qui dit « voilà, je suis VCA, je suis BA5 et j'ai le permis CE ». C'est très rare, on n'a jamais vu, je crois. Donc on va prendre ce qu'il nous faut, et puis si on voit que c'est quelqu'un qui correspond, on va investir en lui, et donc une partie de notre investissement, c'est en formant cette personne. On est entouré de différentes sociétés d'intérim, de différentes organisations interprofessionnelles. Et on sait où aller chercher ces gens-là. On a aussi le CERIA qui forme des gens juste ici à côté, des gens qui viennent nous voir régulièrement. On a une concurrence assez féroce entre enseignistes. Et donc, c'est pas dire qu'on s'amuse à se prendre du personnel, mais c'est vrai que ça arrive. Comme le métier est assez spécifique, les gens qui travaillent dans l'enseigne souvent restent dans l'enseigne. Et donc, il y a pas mal de sociétés d'enseigne valables en Belgique. Et donc, on a quand même un turnover qui se fait dans les différentes sociétés. Mais bon, voilà, c'est un risque. Mais après, s'il part, c'est sans doute qu'on n'a pas fait assez. Parfois, c'est tout à fait autre chose parce qu'il y a une société qui est plus près de son domicile ou qu'il a déménagé. Petrus a un personnel qui est vraiment très, très loyal. On a régulièrement des 30, des 20, des 20, 25, 30, 35 ans de maison qu'on fête ici. Ça arrive tous les mois. D'ailleurs, c'est un peu problématique parce qu'il va falloir renouveler bientôt pas mal de monde qui est là depuis très, très, très longtemps et qui approche de l'âge de la pension. Je me retrouve fréquemment, alors un peu moins maintenant parce qu'on a dû diminuer un petit peu la voilure là-bas, mais quand je suis en période d'embauche, il y a des gens qui se présentent. Dans les jeunes formés, malheureusement, beaucoup ont une bonne formation théorique, mais n'ont pas une approche de ce qu'est la réalité du métier de la boulangerie et je récupère des gars qui sont bien formés. Ils savent ce que c'est, ce sont des... Voilà, ils ont une bonne connaissance du métier de boulanger, de la technique de la boulangerie. Mais quand on leur dit, mais bon, voilà, vous avez travaillé d'abord sur des équipes de nuit, vous avez commencé à 21h, ah, mais non, c'est pas possible. Non, moi j'ai une femme, j'ai une petite Camille, vous avez travaillé le samedi et le dimanche. Ah non, le samedi, moi je joue au football. C'est un peu dommage d'avoir des gars qui sont bien formés, mais on les a pas mis dans un cadre. Les gars,
c'est de la boulangerie. La boulangerie, c'est du 7 jours sur 7. La production est encore ici, comme on travaille pour la grande distribution, on travaille quasiment 24 heures sur 24 dans l'atelier. Tout ce qui est production pour la grande distribution sont des produits pré-cuits qui sont fabriqués en journée. Pas toujours très courant dans une boulangerie. Beaucoup de boulangeries commencent à travailler à 7h, 8h ou 9h du soir pour travailler jusqu'à 4h du matin. Mais je me suis... c'est pas un cas unique. C'était pas deux, pas trois, peut-être 8, 10, 15 personnes que j'ai vues et qui, des gens avec une vraie formation, un vrai amour du métier quelque part, machin, et non, moi, je veux être boulanger. Mais pas du tout en phase avec ce qu'est la réalité professionnelle et les exigences de la profession. Dans ce public cible, il y a énormément d'absentéisme aussi. Mais ça, c'est une règle générale partout dans l'économie sociale. Donc j'ai un bobo, je ne viens pas. J'ai un souci avec... familial, je viens pas. Ah bon, ça c'est partie des caractéristiques du public. Donc on a énormément de difficultés avec ça, mais on n'est pas inquiet parce que tous nos collègues ont les mêmes problèmes. Donc c'est une règle, c'est comme ça, c'est ainsi. Ouais. On n'est pas très sélectif, nous, au départ, sur les publics. On accepte facilement. Bon, ça c'est, il y a une RH chez nous et il y a le responsable d'atelier, Mustapha, et qui eux-mêmes ils me disent, moi, du moment qu'il a comment dire, une attitude positive par rapport aux autres, je prends. Maintenant qu'il est fait 6 mois de tôle, ils disent, à la limite, je m'en fous. Mais par contre, s'il commence à me piquer dans l'atelier, là par contre, il va avoir des soucis. Mais donc il cadre les choses. Donc on n'est pas très très sélectif. Alors il y a aussi des gens qui ont des compétences, parce qu'on a aussi besoin des gens qui ont des compétences, mais je dis qu'on a des postes qui sont valoristes, qu'on appelle valoristes chez nous, c'est quelqu'un qui démonte, il faut avoir deux bonnes mains et savoir utiliser un tournevis électrique. C'est pas extrêmement compliqué au départ. Au moins la proximité, c'est dressé national. On est déjà tellement petit que si on doit commencer à dire je vais produire et vendre plus local que la Belgique, ça devient très très petit. Hein. Si vous faites de l'enseigne, vous ne pouvez pas. Si vous avez un magasin de proximité, bon, on le voit, ils sont clients chez nous. Il y a un grand distributeur français qui a les trois, hein, qui a les hypermarchés, le supermarché, les magasins de proximité. On fait les enseignes sur les trois, on fait quasi plus jamais d'hyper, on fait un peu de supermarché. Mais tous les deux jours, on fait une enseigne pour un magasin de proximité. Donc cette partie-là, oui, c'est sûr que quand vous êtes dans votre quartier et que vous allez chercher une botte de carottes, c'est plus facile d'aller à pied dans le magasin de proximité que de prendre sa voiture. Donc oui, bien sûr que cette partie-là, je trouve qu'elle est très importante et qu'il faut cette mixité bureau, logement et commerce, mais pas industrie. On n'est pas une société qui fait des vêtements, qui distribue des vêtements ou qui même est une marque et qui fait fabriquer à 10 000 km d'ici l'ensemble de sa production. On fait, nous, l'inverse. On est à, je dis certainement, encore 80-85% ici. C'est pas évident. Ce qui nous sauve, c'est qu'il y a beaucoup de surmesures ou d'adaptations par rapport aux différentes façades et que souvent, on est sur des grandes quantités. Or, le transport coûte cher et que donc, parfois, si on peut acheter moins cher à 2000, 3000 km parce qu'on ne va pas beaucoup plus loin, peut-être que la différence, on le perdrait en transport. Donc l'avenir, on va essayer de rester encore un maximum en production intégrée. Parce qu'en plus de ça, on contrôle notre qualité. Nos gros flux logistiques sont des flux qui sont un peu en horaire décalé puisqu'on commence nos livraisons vers 3h30 ou 4h du matin et qu'a priori 95% de nos clients sont livrés à 8h30 du matin. Le reste des livraisons sont des centrales en grande distribution, c'est du volume, mais c'est 1, 2, 3, 4 transports. C'est pas énormément, ce sont plus des transports très nombreux. Par contre, entre 4h du matin et 8h du matin, on livre entre 150 et 200 clients différents.
qu'on est quand même très proche du ring. Donc là, ça permet quand même de partir aussi. On a une clientèle pas énorme, hein, au niveau du Brabant, Wallon, et par le ring, on y accède relativement rapidement. Et y a des voies de pénétration assez rapides en reprenant la chaussée de Nersal pour repartir vers le centre-ville ou repartir vers Uccle et le sud de Bruxelles. C'est relativement facilement accessible. Donc on est quand même à part pour la zone Zaventem, mais vraiment nord-ouest de Bruxelles. On est aussi avec des possibilités d'accès facile dans la mesure où on est, pour la plupart du temps, en dehors des gros moments d'affluence et de gros problèmes de circulation. Enfin, en termes de distance, voilà, ça c'était le but quand même. C'était un des buts aussi, c'était de rester proche aussi de nos clients. Et on est au-delà même de l'impact économique. Enfin voilà, il y a un aspect écologique qui fait qu'on se voyait mal aller s'implanter dans le fin fond du Brabant ou dans le Hainaut et devoir déjà arriver avec des produits en agglomération bruxelloise qui ont une empreinte carbone comme ça en arrivant. C'est jamais que du pain en l'occurrence. On était très attachés à notre 02, numéro de téléphone, et notre localisation par rapport au ring. En disant, voilà, si à partir du moment où on est basé à Bruxelles, on peut vraiment être une société nationale, puisque nous avons nos clients partout en Belgique, on n'était pas plus d'un côté que de l'autre du pays, et en étant au centre, on était aussi une société bilingue, donc qui peut répondre à toutes les demandes de la Belgique. Je crois qu'être sur Bruxelles, on a plus d'inconvénients que d'avantages. Le fait d'être au centre du pays, c'est très bien, mais Bruxelles est devenue complètement saturée au niveau mobilité. On est proche du ring, mais le ring, quand on part d'ici, nos équipes, qu'elles aillent dans un sens ou dans l'autre, elles sont de toute façon à l'arrêt. Et donc, le fait d'avoir une localisation centrale, eh bien, mais on peut aller chercher pas très loin, au-delà du ring, et avoir un petit peu les avantages d'être proche de Bruxelles, mais d'être peut-être dans un endroit où ça circule mieux, entre guillemets, quoi. Tout ce que l'on fabrique, on le pose. Donc, on le pose de manière nationale. Et donc, en étant à Bruxelles, on est toujours bloqué. Si on est en Wallonie, toute la partie de notre pose de Wallonie, peut-être qu'on ne sera pas tellement bloqué, parce qu'on est déjà décentré. On serait bloqué si on allait pour nos clients en Flandre. À l'inverse, si on était en Flandre, on serait peut-être plus de temps pour aller en Wallonie, mais on mettrait moins de temps pour aller en Flandre. Ici, à Bruxelles, on est toujours bloqué. C'est simple, le ring, il est bloqué tous les matins. Moi, j'habite Tervuren, je fais le tour complet, et je compte mes nacelles qui sont à l'arrêt sur le ring dans l'autre sens. Tous les matins, et toutes celles de mes concurrents aussi. Nous, on ne gagne jamais. On est toujours bloqué. Parce que le peu qu'on pourrait gagner, c'est le local, mais quand on va au centre de Bruxelles, c'est encore pire que tout. Donc, on ne gagne jamais. On a d'ailleurs un projet, à un moment, avec des logements sociaux. On a travaillé ici sur Anderlecht avec les logements sociaux parce que la réutilisation, la collecte dans les logements sociaux est beaucoup plus compliquée qu'ailleurs. Aussi parce que simplement les gens n'ont pas de lieu pour stocker. Donc si vous avez un petit appartement avec 2 mètres carrés de terrasse, comment voulez-vous stocker vos déchets ou trier même vos déchets? Donc il y a des choses, il y a des problèmes qui sont spécifiques à certains quartiers et qu'il n'y en a pas dans d'autres. Il y a une grande association que je connais bien puisque j'en suis administrateur. Donc, elle regroupe, je crois, 37 entreprises du milieu de l'enseigne. On est quasi 80% des enseignistes à être représentés dans cette association qui a pour but de défendre vraiment le métier et d'aider ses membres à trouver des solutions quand ils sont confrontés à différents problèmes. C'est un métier qui est protégé, enseigniste. Qui veut ne peut pas être enseigniste, donc on y tient parce qu'il faut être du métier pour pouvoir faire une enseigne correctement. On n'y pense pas toujours, mais avoir une enseigne qui est suspendue au-dessus d'une entrée d'un magasin, il faut qu'elle tienne et qu'elle ne tombe pas au premier coup de vent sur les gens qui rentrent ou qui sortent du magasin. Donc il y a toute une série de choses sécuritaires à tenir compte. On veille très fort à ça au niveau de l'association. Et donc on essaye de garder cet accès parce qu'elle garantit d'avoir du travail de qualité au niveau de notre production et de notre pose. Mais régulièrement, on est là aussi pour aller voir justement les pouvoirs publics parce que dernièrement, ils allaient sortir un règlement qui limitait la puissance lumineuse des enseignes ou des écrans, la taille. Et donc ça, c'est le rôle de l'association. C'est au nom de ses enseignistes et de ses membres, donc, aller discuter avec les autorités pour, s'ils veulent faire une nouvelle circulaire, et qu'on soit concernés pour qu'on leur dise ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Thank you.
on se voit, on déjeune ensemble une fois par mois, mais en dehors de ça, on a de la vraie compétition. Et le marché de l'enseigne est très compétitif. On vend moins cher une enseigne aujourd'hui que la même il y a 5 ans, alors que la matière a augmenté et la main-d'œuvre aussi. Non, non, on a une guerre des prix terrible, alors on doit ruser pour fabriquer mieux. Donc mieux, c'est tout en gardant la qualité, plus vite ou différemment, tout en gardant la qualité. Mais donc non, non, la compétition en enseigne en Belgique, elle est bien, et à l'étranger aussi. Hein. Le plus gros pays, c'est l'Allemagne. Clairement, en plexi, en film, en aluminium, c'est l'Allemagne. On a aussi pas mal de producteurs qui sont français, espagnols. Mais bon, l'Allemagne est quand même un cran devant, je crois. Bon, après, il y a certainement beaucoup de pays asiatiques qui amènent ça chez les Allemands. Mais donc nous, nos contacts, c'est belge, ce sont ces distributeurs. Ce n'est pas l'Allemagne, l'Italie ou la France. On en a quelques-uns, certes, mais la plupart, c'est belge. Hein. Il y en a beaucoup qui sont sur Gand, il y en a qui sont sur East Obdenberg, il y en a un de nos gros fournisseurs vient de là, il y en a un qui vient de Nivelles par exemple, donc, mais ils sont répartis partout sur le territoire national. Le 7 août 2011, catastrophe, l'atelier de la rue Birmingham est complètement détruit par un incendie. Mais j'ai dit complètement, c'est complètement. On se retrouve le dimanche matin avec 5 400 m² d'espace de production et on se retrouve le soir avec plus rien. Heureusement, la seule chose que les pompiers continuent de préserver, ce sont toute la partie bureau. Donc tous nos serveurs informatiques, la comptabilité, les bases de données clients, tout est préservé. On arrive assez vite à évacuer ça, à réimplanter ça dans un autre bâtiment. Ce bâtiment avait une très grande cour intérieure, donc ça, c'est préservé. Et deux quais de livraison sont préservés, donc on adapte. On fait venir des grands containers, un frigo, un congélateur dedans. On prend des accords avec des confrères qui très gentiment nous proposent leurs ateliers et nous mettent à disposition les ateliers. Donc là, c'est une année très très compliquée parce qu'on se retrouve avec au départ un site de production à Bruxelles, et là on se retrouve du jour au lendemain à devoir produire sur 5 sites différents. Un site à Dunkerque, un site à Drogenbos, un site à Lunderzeel, un site à Arren et un site au-dessus de Namur. Et donc on produit dans les 5 sites, on concentre tout sur le centre logistique et de là on redispatche vers nos clients. C'était sportif. Dès cette nuit, on a trouvé, heureusement grâce à la solidarité un petit peu de nos confrères, on a trouvé un endroit où pouvoir produire, où nos ouvriers sont allés, aidés par les ouvriers de l'autre atelier aussi. Et on a déjà réussi à sortir un petit peu de production de manière à ce qu'il y ait du pain dans nos magasins, chez nos clients déjà dès ce matin. Il y a eu de vrais gestes spontanés, solidaires et qui sont humainement magnifiques et ça s'est maintenu et c'était sur le temps. Ce qui est apparu comme une solidarité spontanée à la base, pour certains, ça s'est moins bien passé parce qu'il s'est avéré qu'il y avait aussi un intérêt économique derrière. Bon, c'était un peu différent. Tous nos voisins nous connaissent et on connaît tous nos voisins. Société, je parle. Les maisons qui sont là, ça, on n'a pas de contact. Mais donc toutes les sociétés qui sont principalement derrière, tout ce qui était tram, tout ce qui est club de sport, parce qu'on loue par exemple le parking du club de sport, on les a aidés par rapport au chantier du nouveau dépôt de tram, on les a aidés en leur donnant de l'électricité, de l'eau, celle qu'il y a avec des sociétés derrière. Donc oui, ça, on a des contacts, on se connaît, différentes sociétés. La plupart des enseignes d'ailleurs viennent de chez nous. C'est un peu du donnant-donnant. Au début de la rue, on a un carouache, chaque fois qu'il change son enseigne, il vient chez nous. Moi, les abonnements à Carwash, bah, je les prends chez lui, quoi, voilà. On a le magasin de carrelage qui est juste ici à côté. Bah, c'est pareil, il est venu à pied, gentiment, un jour, me voir, il dit, voilà, je veux refaire. On lui refait son enseigne et on a des contacts parce que si j'ai besoin de carrelage, c'est chez lui que j'irai. Donc oui, non, ça, mais bon, ça reste limité, mais on a des contacts avec nos voisins. C'est vrai qu'on travaille en autarcie, et donc on n'a pas besoin pour l'instant des autres, mais si j'ai 10 000 euros de containers par an et que peut-être que si je le partage avec mon voisin qui a les mêmes, je tombe à 7 000, bah, pourquoi pas. On a des métiers très différents, hein, très très différents.
Les synergies sont peut-être là, mais il va falloir les chercher, quoi. On a beaucoup de productions qui viennent de l'étranger, mais dans l'enseigne, il y a beaucoup de distributeurs. Donc on a des producteurs qui sont internationaux, et puis on a des distributeurs qui sont plus nationaux. Nos produits, ce sont des LED de transfo, c'est aussi l'aluminium beaucoup, c'est ce qu'on appelle des panneaux composites, du forex. Et donc tous ces matériaux-là sont distribués par des grands distributeurs qui sont présents sur le territoire national. Tous les jours, on va dire, on a entre 10 et 15 camions qui viennent livrer la marchandise. Aujourd'hui, le site en fait est sous-utilisé puisqu'il y a le marché 3 jours par semaine. Et les 4 autres jours, on pourrait amener presque autant de monde. Peut-être pas 50 000 personnes par jour, mais on pourrait vraiment faire tourner quelque chose. Il y a la place pour se garer, il y a 2 stations de métro, il y a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est ce qu'il faut pour amener la mixité dans un quartier. Ça amène des étudiants, ça amènera le fait qu'il peut y avoir des cotes d'étudiants qui se développent, etc. Ce que la Flandre veut faire de toute façon sur le site ici. Mais je pense qu'il faut de la vie, en fait. Et aujourd'hui, abattoir, on ne sait pas très bien si ça va durer, parce qu'il y a quand même tous des problèmes de gestion et de trouver quelqu'un qui veut bien prendre la responsabilité de faire un abattoir aujourd'hui. C'est chouette de participer à un projet qui est une transformation urbaine. Moi, en tant qu'architecte, c'est un des objectifs au départ. L'idée de faire des poissons et des tomates, c'est sympa, mais il faut que ça s'inscrive dans à la fois la synergie avec le bâtiment lui-même et avec le quartier. The last 50 years I've seen radical deindustrialization of cities worldwide. Manufacturing was considered incompatible with urban life and was actively pushed out. But many cities that had turned their back on manufacturing are now looking at the sector to solve bigger challenges such as food production, waste management, technical innovation, sustainable construction, and providing accessible jobs. Policymakers are realizing that cities depend on foundational forms of manufacturing. Entrepreneurs are slowly but surely bringing making back into cities. Likewise, certain forms of production need to be located in urban areas for staffing, clients, or expertise. In sum, making is proving to be an essential ingredient in vibrant 21st century cities. While some forms of manufacturing have stayed in industrial neighborhoods where noise, dust, and large trucks are commonplace, other forms are emerging in novel locations, on rooftops, underground, in old shops, or on university campuses. In spite of urban manufacturing becoming more desirable, it remains a niche that sits somewhat on the fringes. Those cities that are aware of the economic value of urban manufacturing will actively support it by making it visible, providing financing stimulus, developing production space, protecting land, developing training programs, incubating business, and placing it at the core of the economic vision. However, there are few cities actually doing so. Many concerned cities have focused their priorities on other issues, such as housing, low-carbon mobility, or even employment, without seeing how manufacturing is actually a vital part of this story. Despite the odds, manufacturing is not in terminal decay in cities. On the contrary, it seems to be at the opening of a new chapter. 21st century cities can employ manufacturing to be more innovative, circular, inclusive, resilient, and proud.
How will your city embrace urban manufacturing?